magnifique cette chanson. Je crois que je l'ai écoutée peut-être une centaine de fois depuis le film. Depuis hier soir. Que faut-il retenir de cette cérémonie? Il faut retenir que ça, ce n'est pas une surprise pour Lady Gaga. Ce n'est pas une surprise non plus pour Rami Malek, qui obtient l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury. Performance hallucinante, saluée par la critique et par le public. C'était bien sûr dans le biopic Bohemian Rhapsody. Je suis le fils d'immigrés égyptiens. Je suis un Américain de la première génération. Une partie de mon histoire s'écrit en ce moment. Voilà ce que l'acteur a déclaré. Queen a aussi rendu, vous voyez sur ces images, un hommage à Freddie Mercury sur scène en ouverture de la cérémonie. À retenir aussi Olivia Colman, qui a créé la surprise, vous la voyez, en remportant l'Oscar de la meilleure actrice. C'est pour son rôle dans La Favorite. Elle incarne Anne d'Angleterre. On attendait l'Oscar, vous le voyez, pour Glenn Close dans The Wife à 71 ans. L'actrice n'a jamais obtenu l'Oscar. Pourtant, elle a été nommée cette fois. L'Oscar du meilleur film est revenu à Green Book. Et aussi, gros cocorico pour Netflix. Son implantation dans le monde du cinéma, eh bien, se confirme avec Roma d'Alfonso Cuarón, couronné meilleur film en langue étrangère et meilleur réalisateur.